始め。Et bienvenue pour... on va couper l'écho. Je la refais. Bienvenue pour l'épisode 19 de la campagne Crabe, l'ombre de l'histoire. Tout de suite, dans un tonnerre d'applaudissements, un résumé de l'épisode précédent. Fait par quelqu'un qui va se désigner tout seul, de son plein gré. On attend le tonnerre d'applaudissements. Hein. Oui, c'était pas nécessaire, hein. C'était une vanne. Hein. Oui, mais j'ai bu l'apéro. Je crois que j'ai fait la dernière fois, donc un autre. Alors, j'étais pas là la dernière fois. Ou j'étais là la dernière fois. Ouais, j'étais là la dernière fois. Ah oui, ouais. C'est quand on est partis les deux ensemble. Ouais. Ok. Je me souviens pas vraiment de tout. Qu'est-ce qu'on avait fait ? T'as les notes, hein ? Je peux les reprendre. Hein. Ouais, alors tu me connais avec les notes. C'est pour ça que le capitaine va m'aider. T'as les notes sur Discord aussi. Ah oui, les notes sur Discord. Du coup. Je conseille même de relire les notes avant la partie. Mais je les ai relues, c'est ça le truc. Navré. J'ouvre Discord et je vais m'en sortir. Alors. Voilà, j'y suis. Donc. On a annoncé aux parents de leur enfant qu'il ne reviendra pas car il était parti avec une kitsune, je ne me trompe pas, dans une autre dimension que... Un royaume. Un autre royaume, voilà. Et je sais pas si on a essayé de lui faire croire que c'était plutôt en forme de bon présage ou si c'était quelque chose de... Si, je crois qu'on leur avait quand même dit que c'était qu'il était élu ou un truc élu, ouais, il me semble. Hein. Mais est-ce que c'était un mensonge ou pas, ça je me souviens plus trop. Ah bah on en a aucune idée. Voilà. Et sinon... Il y a notre comment dire notre Ronin attitré à qui on donne des missions qui était revenu très mal en point, enfin ensanglanté et fatigué, comme quoi il y avait, si je me trompe pas, si j'ai bien compris, une attaque au village. Où on est allé avec Caillou et moi-même. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça. C'est ça, oui. Donc voilà, on allait nous-mêmes là-bas pour justement récupérer, enfin pour se refaire une bonne provision de riz, passer l'hiver. Et quand on est arrivé sur place, série de... Enfin, c'était le carnage, quoi. Il y avait des morts partout. Et on a retrouvé un mari, enfin, une personne qui était pliée en deux dans un grenier avec... ouais, voilà. C'était un carnage, quoi. Vraiment une scène horrible à voir. Modifiez-moi si je me trompe. Hein. Et donc il y avait un peu
une scène apocalyptique, enfin bien dégueulasse. Oui, une petite boucherie, quoi. Une boucherie, exactement, une boucherie. Et puis, là, ce qui est étrange, c'est que surtout le mari aurait été vu partir, en fait. Bah, c'est quand, d'après ce qu'on a compris, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il est censé être mort, mais que il y a des rumeurs qu'on l'a vu partir du village aussi, enfin de la ville. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme si il y avait un double ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose de bizarre là autour. C'est que il y a des témoignages qui disent qu'il a été parti, enfin qu'il est parti, et alors que il est plié en deux dans le grenier, quoi. Et ensuite, on partait sur une désignation d'un nouveau chef du village avec une organisation pour gérer les cadavres avec des états par rapport à ce carnage. Qu'est-ce qu'il y avait encore de particulier sur cette partie? Et après en parler, il y a des trucs qui sont passés dans notre village. Dans notre village, qu'est-ce qui s'était passé? Bah de ce que j'avais noté. Ah oui, c'est juste, c'est qu'il y avait Ida, non, notre. Comment il s'appelle? J'ai plus son nom de perso. Izamori. Ida Izamori. Izamori, Kunyaka. qui proposait de déloger, d'éloigner les renards, mais sans les tuer, c'est ça, hein? De les Non. piéger, mais de pas les tuer afin de pas encore. Comment dire? De ne pas ah j'ai pas le terme bref de pas embêter les esprits des Kitsune si j'ai bien compris c'était ça hein. Oui, bon. Voilà en gros hein, je suis pas Moi, très je cherche ça. technique mais c'est à peu près ça qu'il était à la recherche qu'il fallait poser des pièges mais ne surtout pas la consigne c'était surtout pas les tuer. Les villageois ont pas mal de petites superstitions par rapport à ces renards, et donc du coup, il a joué, on va dire, la carte prudence, quoi. La carte prudence, exactement. Et puis la dernière grosse info qui nous est venue, c'était que, enfin grosse info, on se comprend, c'est on s'est rendu compte que Kuniaka était pas loin de l'accouchement. Voilà. Ça allait arriver gentiment à la moitié du mois du. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et je crois qu'il y avait aussi Ida, Izamori et Kunieka qui avaient commencé à répéter pour une pièce De théâtre, ouais. Ah De ouais, c'est juste théâtre. la pièce de théâtre, ouais. Mmh. De Shiba Ayo. Que l'invité avait, voilà, Shibayo, qui avait proposé, enfin, si on peut dire une proposition, afin d'amuser la galerie, si j'ose dire. Et qu'est-ce que faisait Kuniaka? Reiko. Hein? Kuniaka. Alors là. Ce que faisait Kuniaka par rapport enfin à la pièce de théâtre ou Non, il y avait d'autres choses, un autre truc. Elle traquait un producteur Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ce truc-là, ouais. De drogue. Ah oui, c'est juste, exactement. Elle traquait le producteur de drogue de bah justement D'opium. D'opium. d'opium afin de ne pas en devenir dépendante. Ça, c'est déjà un peu trop tard, mais. Oui, mais c'est ce qu'elle essaye. C'est son but normalement. Il y a à la fois pour elle et pour Shiba Ayo. Shiba ou Shiba Y Ayo, a... mais. Mais d'ailleurs, pour l'instant, tu vas te prendre un défaut, Ah non! Kuniaka. Eh ben si, tu vas te prendre. Alors je sais pas s'il existe un défaut similaire, mais ça va être bah, dépendance, quoi. Addiction. Et Si, je crois qu'un si, truc. il existe, je y en crois. a un. Ouais, y a un désavantage comme ça. Il me semble, ouais. Mais bah si tu veux, c'est le bouquin, essaie de le retrouver, parce que je l'ai pas en tête là. Ouais, je vais regarder, ouais, il me semble qu'il Et existe, ouais. Je cherche. je le rendrai peut-être un peu moins dur que ce qu'il est, s'il est voilà, s'il est un peu chaud. Mais en gros, je pense que ça va être
tu vas avoir un jet de résistance de volonté à faire pour le résister, mais bon, voilà. Et évidemment, au plus le manque sera là, au plus le ND montera. Je vais le tuer. Il va avoir un accident d'escalier. Désolé, boss. Ah mais ça, c'est trop tard. Mais, c'est pour rien, maintenant. Alors, moi j'ai... Oui, dépendant existe. Il y a compulsif. Ouais, mais dépendant, c'est, ça veut pas dire ça. C'est, dépendant, c'est que tu as une... C'est que tu... Ouais, mais en fait, ça comporte aussi tout ce qui est dépendance. Ouais, c'est compulsif, ouais. Ça peut être soit un acte illicite ou provoquant une dépendance, comme boire du saké, jouer de l'argent, voilà. Ok. Et en fait, faut réussir un jet de volonté de 15, 20 ou 25, parce que t'as pas trop de niveau pour la... pour les désavantages. Ah. Ouais. Pour surmonter la compétence. Mais ça dépend, ça dépend du nombre de points que tu as, en fait. Ah oui, mais quand vous gagnez des défauts en jeu, vous gagnez Walou, hein. Ah bon? On m'aurait menti? Non, bah après je vais pas. Mon but c'est pas forcément de jouer là-dessus très longtemps, mais je. En fait, la description c'est il existe une activité à laquelle vous ne pouvez résister. Vous a donné le rituel s'ancre à ce point dans vos habitudes qui renoncer vous demande un terrible effort de volonté, même quand la situation est désespérée. Mm-hmm. Il peut s'agir d'un acte illicite ou provoquant une dépendance, comme boire du saké, jouer de l'argent, quelque chose aussi inoffensif que de s'arrêter dans chaque grand temple à côté duquel vous passez. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc 15, 20 ou 25. Ouais, parce qu'en fait, ça, il rapporte 2, 3 ou 4 points le désavantage. Ouais. Après, bon. Si tu veux l'adapter, ça peut être moins, mais... Non, mais de toute façon, t'as 3 volontés, Kuni. Oui. Bon, bah, tu vas avoir le défaut à 3. Ah mais ça te donne 3 points d'expérience. Non, ça donne pas de points, c'est un défaut que t'as eu en partie, ça donne pas de... C'est pas la création de perso là donc, non. Donc on est bien d'accord, non, on est bien d'accord que c'est interdit de fumer de l'opium quoi. Ouais, non, enfin c'est pas... Non, tu peux fumer de l'opium. C'est comment dire, c'est interdit si t'en fumes trop et que tu te retrouves tout nu à la cour quoi. Mais tant que tu restes dans des modalités respectables de... C'est pas dérangeant quoi. Bah, sachant qu'en plus dans mes souvenirs l'opium est utilisé de manière médicale. Oui. Donc la consommation d'opium est autorisée pour le domaine médical. C'est la surconsommation récréative. Si t'en consommes des tonnes que tous les gens qui veulent te parler. Sentent que t'en fumes tout le temps, que chez toi on voit pas 20 cm devant soi, ouais, là ça va devenir compliqué. Ça va te gêner socialement, mais dans les faits, tu peux tout à fait. Un personnage peut tout à fait être consommateur d'opium et ne pas avoir de problème du tout légalement, hein, longtemps. Ok. Après, t'en procurer, c'est pas illégal, hein. Tu peux avoir 800 tonnes chez toi, pas grave, quoi. Surtout que là, elle est assez facile. Par contre, enfin... si tu dois sauver quelqu'un et puis qu'il y a de l'opium à côté, tu vas peut-être préférer l'opium que de sauver la personne. Voilà. C'est pas impossible. Ça peut se discuter. Mais bon, si ça peut te rassurer, voilà, on va, il perdra de la force au bout d'un moment, et puis... Je vais bien croire, je vais traquer tous les fournisseurs du coin. Donnez-moi vos sacs. Je vais brûler leur récolte. Ouais, mais justement, pour tout arriver à tout brûler, il faudra faire un année de 25 quand même. 8 ans plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, histoire que vous soyez tous ensemble, parce que ça m'arrange. Histoire que Kuni soit pas toute seule dans son coin. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire dans le village en bas des montagnes. Fumoto Mura. Donc vous avez réussi à mobiliser des états pour nettoyer. Vous avez enlevé les cadavres qui traînent, vous avez remis en place certaines choses, vous avez brûlé les maisons qui étaient cheloues. Voilà.
N'oublie pas le principal, on a ramené tout ce qu'il fallait de riz. Vous avez... Alors... Vous avez dû patienter un peu et un peu vous écarter de la route pour trouver un peu plus de commerçants qui étaient prêts à vous dépanner. Vous avez eu les autorités du Daimyo qui sont venus vous voir. Le Daimyo auquel appartient ce village, qui ne vit pas ici mais qui est ailleurs. Donc vous avez eu une paire de samouraïs qui est venue un peu en retard mais vous aider quand même à participer et qui vous ont remercié. Et c'est eux qui se sont débrouillés, on va dire, pour vous dépanner en fonction de ce que vous avez besoin. C'est deux samouraïs crabes, hein, évidemment. Vous avez le droit d'inventer leur nom si vous voulez. Et par contre, vous avez, alors que vous étiez plus ou moins sur le départ, est arrivé au village une délégation qui partait vient du fin fond du crabe et qui remonte vers le nord et qui est passé par votre petit village là avant que. Et du coup, c'est une délégation impériale. Ah ? De famille impériale. Ah, donc c'est pas une délégation du clan du crabe ? Non. Non, non, non. Alors, juste avant tout ça, le truc du père de famille qui est à la fois mort et qui est à la fois sur cette partie, si je peux, je vais quand même essayer d'interroger là où les personnes qui l'auraient vu partir et de voir si on trouve pas les traces de là où il aurait pu aller. Parce que c'est quand même un truc un peu étrange, parce que je me dis soit c'est vraiment le père, soit c'est un truc plus chelou, et vu là où on se trouve... En gros, tu vas avoir une description de la personne, parce que de toute façon, le père, entre guillemets, était connu dans le village, hein, c'était quelqu'un qui était là depuis des années, tout le monde le connaissait, etc. Donc tu vas avoir une description détaillée de cette personne. Tu vas voir la direction dans laquelle il est parti vers le nord plutôt, pas dans les montagnes, mais on a suivi la route qui va vers Shinomen Mori et ou potentiellement vers le reste de l'Empire, quoi, tout simplement. Ok. Et du coup, si le sujet t'intéresse, je pense que tu auras fait quelques villages. Quelques villes et villages, et au bout d'un moment, en fait, on va te dire que non, il n'y a personne qui correspond à cette description qui est venue. Ah. Donc tu vas voir que les premiers villages qui sont les plus proches, oui, ils ont une confirmation que cette personne est venue et est restée, enfin, elle n'était que de passage, mais au bout de, je sais pas, au bout de... 3-4 jours de traversée, visiblement, il n'a plus été aperçu. Ok. Et là, du coup, je transmets directement l'info. Enfin, quoi, quand les deux samouraïs étaient envoyés par le daimyo local se pointent, j'en transmets l'info. En leur indiquant que on ne sait pas. Pas si c'est vraiment le père de famille qui est parti, ou si c'est une créature quelque peu plus sombre qui se balade. Et après, c'est à eux de gérer le problème. Oui, ils vous remercient et puis ils vont lancer la chasse. Cependant, comment dire. Vous allez comprendre que c'est pas le premier cadavre de style ou premier. Ouais, de ce genre de d'événements qui sont apportés. Alors, apparemment, il y en a eu beaucoup dans les auprès du mur en fait, à Kayushiro et ailleurs quoi. Récemment ou... depuis une paire de mois, ouais. Il y aura même un peu plus. Après, c'est pas non plus des dizaines de morts à chaque fois. Hein. C'est
Ouais, c'est plutôt une famille qui est retrouvée complètement morte, donc 3-4 personnes, et puis il n'y aurait plus rien, quoi. Ouais, donc ça pourrait correspondre au fait que ce soit une créature qui soit passée et qui remonte. Et on vous explique que aussi que c'est pour ça que les grandes villes ont fait évacuer leur femme enceinte. D'accord. Les femmes enceintes sont pas en bonne position, quoi. Ah, effectivement. Moi, je pose la question si qu'est-ce qu'on et si on remarque une femme enceinte proche de nous, aux alentours, qu'est-ce qu'on doit faire? Protégez-la. Là? Protégez-la. Ah, la protéger. Ok. L'achever. Ok. On n'a pas à l'envoyer. Après, si elle est attaquée par. Par la même, par le comment dire, la chose qui a attaqué les autres femmes enceintes. Peut-être que si vous voulez vous donner une chance de tuer la chose, il faudra tuer la femme enceinte. Parce que a priori, si c'est une créature de l'autre monde, il pourrait obtenir des forces en mangeant. D'accord. Alors ce qu'il a fait ici, quoi. C'est une théorie. C'est une théorie. La délégation impériale qui vient de visiter de grandes villes aussi, Crab pourra vous donner des infos aussi là-dessus. Hein, donc je considère qu'ils sont dans la discussion, quoi. Ok, ok. Que vous avez pris un thé avec les deux samouraïs. Alors c'est y a la délégation impériale, c'est deux samouraïs et plein des mines. Qui transporte plein de chariots. Ok. On voit ce qu'il y a dans les chariots. Du jade? Non. Ah. Non, pas du jade. Du riz. Ou des cocos. Du riz ou des cocus. des cocos. Pardon. Oui. C'est les nimpos. Tout à fait. Vous avez Miatopa et Sepun Shilu qui sont les deux samouraïs responsables de l'opération. Et Sepun Shilu? Ouais. Comment ça s'écrit tout ça, si j'ose? Eh ben. J'ai écrit ça comme ça, je sais pas si ce sera comme ça, mais. Y a pas de O à. Alors c'est Shilu, c'est un I. Ah, ok. S-H-I-L-U. Ok. Shilu et Topa. Du coup, ça fait ça. Ouais. Donc, Mia Topa, c'est le Mia responsable de l'opération, qui du coup est un émissaire de la famille Mia, école Mia, courtisan à 16 heures, voyageur et postier. Voilà, un facteur quoi. Son Sayojimbo, donc Sepun Shilu, qui a l'air d'être une Sepun un peu vénère quoi. Vénère dans le sens qu'il faut pas trop s'approcher de sa charge quoi. Ah oui, ok. Ça aurait pu être une belle Matsu quoi. Ouais. Ok. Y a pas de souci, je m'approche pas moi. Quand ils arrivent, je m'incline bien bas et je ne m'approche pas du tout des chariots. Ils sont là pourquoi? On le sait. Enfin, on a une idée ou absolument pas. On va faire un repas et vous allez pouvoir leur poser la question. Il n'y a pas de problème. Du coup. Non, parce que tu vois, du riz, des cocos, forcément, ça m'intéresse. Hein. Ouais, ouais. Samouraï Sama, je vous invite à prendre le thé avec nous. Et dîner, peut-être. Au moment d'arriver au village, il nous semblerait que le village a subi quelques désagréments. Il est
en effet très abîmée, si j'ose dire. L'avantage, le calme sera de mise. Très volontiers pour le repas. Vous vous installez ? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que vous vous installez ? Ah oui, oui. Ah, moi, je regarde Caillou, sa main, puis et si je vois qu'il est approbateur, bah oui, oui. Je laisse Kinjiro parler, mais je m'installe et puis... Alors, je m'installe aussi, ouais. Est-ce à vous les quelques chariots que nous avons trouvés à l'extérieur de la ville ? Moi et Sama. Tu te décris vite fait les chariots, effectivement, ça correspond à peu près au vôtre, hein, visiblement, vu la description et les personnes qui étaient qui les encadraient. Tout à fait, nous sommes ici présents afin de nous de récolter, enfin de venir, nous sommes venus acheter du riz pour pouvoir passer l'hiver tranquillement. D'où nous. Et vous venez d'où ? C'est pas indiscret. Ce n'est pas indiscret. Dis-lui du Nord. Nous venons. Alors là, maintenant, le village. Hein, nous venons de Ryokomemura. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors attends, là, c'est le MJ, parce que là, j'ai pas une note sous les yeux. C'est le nom de la ville du Sud, ça ? Ou. Alors, moi j'ai dit un nom de ville, mais je suis pas sûr que ce soit la nôtre. Ah bah, à ma connaissance, mon village n'a pas de nom, donc je reste impassible, mais. Ou alors j'ai pas noté. Moi c'est. Non, non, il a pas de nom, parce que justement je vous avais demandé d'en trouver un si vous voulez. Quoi. Donc, ouais. Alors, est-ce que Ryokomemura. Bah, c'est pas de là dont on est originaire. Attends, je sais non. plus. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, Fumoto Mura, c'est le village où vous êtes actuellement. Oui. Le village au pied des montagnes. Ouais, ça, on est d'accord. Maisuna Shiro. C'est un village qui a 2-3 semaines de distance. Ouais, c'est un village qui est un peu plus loin et qui appartient à une sous-famille, une famille vassale des cailloux. Après, il y a Kami. Tori Sona Yoke Shiro, qui est le château de l'Aube, qui est la garnison de la 3ème armée, et où il y a des éclaireurs Iruma en force. Donc ça, c'est plutôt sur le mur. C'est une des villes sur le mur. Et après, Ryokomemura, c'est le village de départ, de là où vous venez. Ah, c'est de là qu'on vient. Ok, ouais. C'est pas là où on a pour mission de faire... Non. Oui. Ok. Sur le village où vous êtes en mission, il n'a pas de nom. Donc, ouais. Si tu veux... Et je me souviens plus si cette. Ça, c'est un détail hors roleplay. Je me souviens plus si cette mission était discrète. Si ? Ah ! On est censé garder profil bas. On n'est pas censé dire où on va, quoi. Enfin, où on est. Bah, notre okay. présence est censée rester discrète. Et par rapport à notre village Ryokomemura, c'est vraiment inadapté de dire qu'on vient acheter du riz par là ou... Ah ben... On est loin. Oui, vous êtes à peu près à l'endroit le plus loin dans le territoire du clan du crabe de votre village de départ. Hein. Oui. Donc, j'aurais meilleur temps de dire qu'on vient d'ailleurs, quoi. Enfin, ouais. C'est ça. Fumoto Mura, ça me paraît beaucoup plus correct, en gros. Mais... La question que je me dis, c'est que là j'ai dit ça comme ça parce que je l'ai lu dans mes. Mais ce que tu peux faire, c'est, au lieu de réfléchir, tu parles. Tu vois, tu dis. Ouais, tout à fait, mais moi c'est juste réponds, que j'ai lu mes notes et j'ai cru que c'était ça notre village où on était. C'est pourquoi je l'ai dit. C'est pas grave, tu l'as dit. C'est... Profite, enfin, okay. Utilise ça. Ouais, ok, ça marche. Je veux dire, c'est pas grave. Si tu voulais dire autre chose, bah tant pis, tu peux corriger en RP la chose ouais. Ou ajuster ton avis, quoi. Et c'est pas un souci. C'est au contraire, ça va faire un discours plus cohérent et plus,
plus question-réponse, etc., plus intéressant que si tu dis une réponse et que tu mets un quart d'heure à te dire « Ah ben non, dans mes notes, j'aurais dû dire autre chose. » Voilà. Juste mon avis. Hein, mais, ça marche. Voilà. Non, donc, mais... Alors, du coup, tu dis le nom du village de votre point de départ. Du coup, le Mia réfléchit un petit peu. Ça me semble un peu loin pour acheter... pour venir acheter quelques sacs de riz et quelques matériaux. J'ai entendu que le riz était fort négociable par ici. Et en tant que négociateur, je me suis dit que ça valait peut-être le détour de venir... Alors, faut pas le prendre pour un con non plus, hein. Je suis d'accord. Et ça rend d'une famille impériale. Donc, oui. En plus. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même sur ça. Je suis parti. Voilà. Je pars sur ça quand même. Sur le fait que, voilà. Je teste le... Enfin, je cherche la meilleure source. Enfin, c'est plutôt une manière de connaître tous les endroits de la région où on pourrait peut-être faire un profit quelconque par rapport à des besoins en riz, voilà. Et qu'en tant que marchand, enfin, qu'en tant que... Du coup, il va te répondre. Ce village n'est pas le point le plus rentable en termes de transport pour acheter du riz et quelques matériaux. Quand on vient des montagnes, ça peut être utile. Vous savez, Samurai Sama, les émines sont moins malins face à un monde impérial. Bon, t'as compris que il avait parlé avec vos émines, hein. Ouais. Voilà. Et que vos émines, ils ont pas forcément. Ils n'ont pas vu mal à répondre officiellement à un samouraï. En gros, il a dit la vérité, quoi. Ils n'ont pas lancé, les saloperies. Ils ont dit probablement ce qu'ils ont devait dire, quoi. Sans forcément avoir beaucoup de détails, mais d'infos, mais... Voilà. Vous voyez que la Sepoun a un large sourire. Je reste... Je me retourne vers Caillou et je la regarde fixement un peu en désespoir. Enfin, pas en désespoir, mais en mode il va me laisser causer toute seule, enfin, tout seul ou tu vas essayer de m'aider un peu. Je bois un peu de thé. Je bois un peu de thé. Et... quelle est par rapport à la famille impériale, juste notre mission, enfin notre daimyo, comment il est positionné, enfin comment est-ce que plus bas. Ouais, alors ça d'accord, mais est-ce qu'il est honorable ou pas du tout? Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils le connaissent déjà? Alors je pense que si ton daimyo pouvait parler et qu'il est à côté de toi, il te dirait évite de les croiser. Ah, ok. En conseil général. Voilà. Maintenant, si tu veux pas faire autrement, essaye de pas t'en faire des ennemis. Ouais, ouais, ok. Ça marche. C'est refais. Mieux. Voilà. Donc, en gros, pas m'en faire des ennemis. Ouais, bah, en gros, tu me dis de dire la vérité, quoi. J'ai compris. Comment je vais faire ça? Il y a déjà la vérité et. Comment dire, et omettre certaines choses. Ouais, 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 voilà. Nous sommes missionnés par notre daimyo pour faire une nouvelle plantation de riz. Et c'est pour cela que nous cherchons... nous cherchons les meilleurs endroits et nous sommes pas en effet. Nous venons de Ryokomemura, mais nous sommes un peu
positionner ailleurs afin de pouvoir créer une nouvelle plantation de riz sur, sur un territoire. Nous recherchons les meilleurs... notre endroit actuellement, nous avons besoin de riz et nous allons chercher justement un peu de riz ailleurs afin de pouvoir passer l'hiver, car nous sommes en train d'implanter et nous ne sommes pas encore opérationnels. Enfin, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins encore actuellement. Voilà, puis je me... J'en dis pas plus. Mais c'est formidable. Pensez-vous qu'il me serait possible de vous accompagner pour voir votre installation? Vous voyez, je suis... Écoutez... Comment dire, j'ai actuellement deux rôles au sein de l'administration impériale. Le premier est de collecter les impôts, mais vous savez que l'été est fini et que ce n'est plus trop d'actualité. Et j'agis également en tant que membre de la famille Mia afin d'observer l'Empire et de transmettre un rapport sur l'état des terres du clan du crabe et environnantes, afin de savoir si le clan du crabe serait, ou des terres environnantes, serait de bons candidats pour recevoir le trésor des Mia. Et on sait ce que c'est, ça? A priori, non. Si les joueurs ne le savent pas, je vais dire que non, donc vous pouvez demander en RP ce que c'est. Bah, moi je le sais, mais c'est juste pour savoir si nos personnages, comme ils sont quand même relativement jeunes, ont déjà entendu parler ou... C'est pas impossible, mais je dirais que le Yasuki, il y a quand même un peu des chances que tu sois au courant, mais c'est pas grave, comment dire. Pour que l'autre brille, tu peux tout à fait demander à ce qu'il s'explique. Je veux dire. Alors, en effet, étant donné que je suis totalement débutant, je vais faire... Et quel est-il exactement? Est-ce bien... Le trésor des Mia. La famille Mia est une famille généreuse. Et chaque année, quand les finances de l'Empire le permettent, nous sélectionnons divers lieux qui mériteraient d'être aidés. Et nous fournissons des subventions afin que la zone soit développée. Cela peut contrebalancer des zones qui ont été meurtries par la guerre ou des invasions vengeance maléfique. Le clan du crabe en a souvent besoin, entre guillemets. Il va pas dire besoin, mais il y a eu recours régulièrement afin de s'assurer que le mur soit rebâti ou que certaines places fortes puissent être reconstruites afin de garantir la sécurité de l'Empire. Mais il y a aussi... Si votre village est intéressant et peut-être qu'il pourrait être mérité une quelconque aide financière pour le développement. Clairement, moi, tu vois mes yeux qui brillent. Clairement, moi, j'y... Ce qu'il vient de dire, ça me parle très fort, quoi. Je me dis, ça se voit dans mes yeux que ça m'a parlé. Un regard un peu... proche des 6 ou enfin en tout cas intéressé par l'argent, ça se voit, quoi. Mia Osama, ce soutien peut-il également venir en suite à une manifestation de Camille ou une catastrophe naturelle? Oui, bien évidemment, c'est le clan du Phénix, par exemple, a eu recours quelquefois après de violents tremblements de terre et tout type de catastrophes sont couvertes par ce genre d'événements en notre trésor. Et si une de ces...
Et si une de ces catastrophes avait quelque chose de très fâcheux contre des personnes, dirigeante, ça resterait le même. Et là, tu vois est-ce que il y aurait toujours le même soutien ou c'est juste une question de hiérarchie ou... Je ne comprends pas la question. nous rencontrons quelques soucis sur la manière de développer notre justement rizière qui pourrait être des freins, si vous voulez. Nous avons des grandes volontés de développer cet endroit, mais nous avons des freins qui pourraient être d'ordre supérieur ou on nous maintient dans une et je reste très vague sur la manière de dire les choses. Ah et... Même moi je comprends rien. Ça s'envoie, ça s'entend, hein, que tu restes très vague. Est-ce que je pourrais vous parler en seul à seul? Ça a coupé. Ouais. Est-ce que je pourrais vous parler seul à seul? Bon, si vous le souhaitez, mais je pense que nous sommes ici tous entre gens honorables. Crever l'abcès, vous savez, vous êtes... C'est bien la première fois que je vois un membre du clan du crabe qui ne soit pas prompt à l'ouvrir. Oui, peut-être que je déteins sur... Et là, je marmonne, et puis... Je marmonne un petit peu, il y a peut-être un petit... ma femme qui sort dans le lot. Elle n'est pas là, ta femme. Peut-être que notre Damio devrait disparaître afin que tout ceci soit parfaitement comme vous le désirez. Et peut-être que ça pourrait être très prospère. Et là, j'ai tout balancé. Et là, je regarde sans comprendre. Attends, si je comprends bien, t'es en train de dire que ton démon qui vous a chargé de votre mission est un poids pour le développement du village. Clairement, en gros, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais prendre sa place. Et que cette personne pourrait m'y aider. En un sens, c'est un peu ça que je veux faire passer. Ok. 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 Bon. Alors, je sais. Caillou, est-ce que tu lui mets un coup de marteau? J'y pense très fortement. Ah, ben, on m'a demandé d'être cash alors que j'ai essayé de. Yasuki-sama, pensez-vous vraiment ce que vous venez de dire? Nous sommes entre nous et on m'a demandé de parler franchement. Je dirais que totalement. Je pense être à la hauteur de la tâche et je pense en effet que nous sommes dans l'ombre. Nous devons travailler. Ça ne me plaît pas dans la discrétion. Si on pouvait faire les choses sans être caché, sans être... Voilà. Hors jeu, je sais que c'est un truc qui existe dans les histoires du clan du crabe, mais le défi en duel et dans la folie lui balancer un coup de marteau, ce serait déshonorable ou pas? Le truc c'est que c'est pas un boucher. Ouais, je sais. J'aurais tendance à dire que le défi en duel, c'est pas forcément déconnant. Mais en fait, je me pose même la question de savoir si je défie en duel ou pas, ou si je le fracasse direct. J'aurais tendance à dire que comme t'es devant un Mia, non, tu vas pas le fracasser direct. D'accord. Parce que c'est pas poli de sortir ses armes alors que
Oui. C'est pas le cadre, on va dire. Il y a une sépoune qui pourrait mal le prendre. Ouais. Mais du coup, voilà. Mais après, ce soir, vous êtes tous les deux, oui, il y a moyen de faire des choses. Bon. Ok. Je ne dis rien. Je commence juste à m'échauffer. Mais en tout cas, tu vois que le Mia, il est un peu surpris par la demande, tu vois. Oui, moi aussi. Il n'en est pas à avoir ce genre de truc. Et forcément, il scrute un peu ta réaction, parce que voilà. Il peut voir que je suis aussi surpris que lui. Et que j'ai mes yeux qui se plissent dangereusement en direction de Yazuki. Mia Osama. Nous avons simplement été envoyés ici pour tenter de remettre en état un village, afin de fournir des vivres au clan du crabe, qui en manque régulièrement, comme vous le savez. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à dire sur nos activités dans le coin. Je ne peux prêter aucun appui au dire de... Vous ne vous mouillez pas, Caillou, c'est sûr, ça je remarque tout à fait. C'est clair que quand on est dans une des activités plus ou moins cachées, on n'a pas envie de se mouiller. Moi je suis ambitieux, j'ai pris un risque, je l'assume. Mais le Mia va dire si... alors, Yasuki Jirosama, si vous aidez l'Empire à mettre au jour une conspiration ou même à neutraliser un individu qui est une menace pour l'Empire, vous en serez récompensé, c'est évident. Je n'ai pas forcément en main les cartes pour vous aider à ce niveau-là. Mais je connais un certain nombre de personnes de la magistrature d'Emeraude qui pourraient entendre votre témoignage et ensuite mener une enquête ou plus. Et si votre démio est coupable, peut-être que si vous avez aidé à son arrestation, vous en tiriez des fruits. Maintenant... je suis pas certain. Il veut dire ça. Maintenant, si c'est juste une histoire de rivalité et qu'il n'y a pas d'illégalité, je trouve la demande un peu déplacée. Dans tous les cas, et si vous cherchez des gens pour vous aider à développer, le clan Mia, la famille Mia peut vous aider en fournissant un peu d'argent si on vous estime que votre projet mérite notre support, notre soutien. Mais vous devez compter sur vous-même pour développer l'activité de votre village. Sauf votre respect, en quoi j'en serais bénéficiaire, étant donné que j'ai un supérieur, si... Voilà. Jouons cartes sur table. Hein. Je sais que cette activité que nous menons n'est pas forcément... respectable. Je vais faire une pause parce que t'es peut-être en train de faire une grosse bêtise quand même. En général, ça se fait pas trop de nettoyer son linchal devant quelqu'un d'étranger. Et d'autant plus en impérial. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que là, t'es en train d'exposer toutes tes faiblesses. Donc les faiblesses de toi qui ne supporte pas ton démio. Toi, ton démio qui fait des choses... qui sont légales, illégales, on sait pas. Si tu veux prendre le pouvoir, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. On est d'accord. Si tu veux prendre le pouvoir, ce qu'il faut faire, c'est de l'avoir, le pouvoir. Et après, tu fais la demande officielle.
Donc en gros, ce qu'il faudrait, c'est que j'écrase mon Daimyo de mon côté, et puis Non! après... Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu maîtrises ton émeu, c'est que tu maîtrises ton village, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des ressources, tu gagnes du pouvoir politique, tu gagnes des amis. Et après, tu écrases ton émeu. Là, tu mets vraiment la charrue avant les bœufs. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est quand tu as mis toutes tes cartes et que tu as battu ton émeu, là, tu sors ton jeu et tu gagnes. Mais il faut gagner petit à petit. Il faut gagner sur tous les tableaux. J'entends, Donc. mais à quel moment t'as pas eu le sentiment où je me suis senti coincé par rapport à au fait que ce soit quelqu'un d'impérial qui me demande qu'est-ce qui se passe dans le village? Et puis moi qui veux sauver ma peau et pas me retrouver, je ne sais pas. C'est une piste. Ça, je suis d'accord. Si tu joues la joue comme ça, Ben c'est ça que je joue en effectivement, fait. Clairement, j'essaie de sauver ma peau en mettant, en essayant en tant que dans la situation, je me suis senti devoir donner des informations par rapport à quelque chose de pas tellement légal, hein? Alors, Donc avec c'est un pas risque illégal. de. La question, c'est qu'est-ce qui n'est pas légal à tes yeux, en fait? C'est ça que je comprends pas. Ben, c'est que c'est pas officiel. Enfin, je sais pas. En tout cas, Non, tout ce qui est sur le village, c'est légal. Il n'y a rien d'illégal. La seule chose qui est inconnue pour vous, c'est le rôle de Shiba. Est-ce que la présence de Shiba, oui ou non, Ah, ok. Alors moi, c'est la base de ça que j'avais pas compris. Moi, je pensais que elle est légitime ou pas, ça c'est inconnu pour vous. Mais Shiba, de son plein gré, il reste avec vous. Ben Il n'a moi, jamais en voulu se fait, barrer. c'est à partir de ça que j'ai pas compris. C'est qu'en fait, moi, j'ai le fait que j'ai compris que c'était une mission qu'on devait faire sur un territoire non aligné, d'après ce que j'ai compris. Alors, des territoires dans la ligne, il y en a plein. C'est Ouais, juste mais qu'ils justement, je n'appartiennent me pas au suis dit que clan. c'était peut-être quelque chose d'un peu caché, d'un peu voilà. Et c'est sur ça qu'en fait, je me suis basé. L'aspect caché, c'est surtout pour pas attirer les convoitises et pour vous mettre en sécurité. Et pour pas attirer l'attention sur le Shiba. Aussi. Ok. Mais techniquement, il n'y a rien d'illégal. Après, Maintenant, si une famille impériale remarque ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, enfin, on va partir sur le fait que j'ai eu pris peur et puis que j'ai dévoilé trop de choses, puis qu'après que j'ai encore pris peur et puis que je me dis, ben, il faut que je m'en sorte en disant, ben voilà. Et sachant que tu procèdes à un autre degré, c'est que tu sais pas comment tes compagnons, enfin déjà comment Caillou, etc., va réagir. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est total. Après, une des choses Ça, en un sens, illégales, je m'en fous, si on veut. une des choses illégales, la grossesse de Kuni est illégale. Ça, tu le sais. Ouais, ça, je le sais, ouais. Là, je suis d'accord. Mais de ça, tu y es pour rien. Donc du coup, autant elle pourrait être menacée, mais toi, ça va pas t'impacter. Enfin voilà, a priori, on pourra excuser que par amitié ou par autre chose, vous n'avez rien fait. C'est le clan du crabe, voilà, c'est pas bien méchant, quoi. Et si on n'oublions pas que je suis quand même quelqu'un, un personnage un peu ambitieux dans Non, mais le. ça j'entends bien. Mais disons que là, ce que tu es en train. Là, comment tu le fais, c'est que tu es en train de tout révéler, entre guillemets, de jeter le projecteur là-dessus. Et en gros, tu risques de perdre ta poule aux œufs d'or, quoi. Le village, imagine-le que c'est une poule aux œufs d'or. Imagine que c'est une source de revenus infinie. Elle est encore un peu dormante, Il y a encore du mais boulot. il y a encore du boulot, mais quand il sera prêt, il y aura moyen de se faire beaucoup beaucoup de thunes, normalement. Mais c'est peut-être là que j'ai pas la base du truc. Un daimyo, il est supérieur à moi. Oui. Avoir de l'argent, en quoi c'est mieux que d'être un daimyo? Mais Tu c'est vois toi ce que qui je veux va dire? avoir, Si mon c'est but toi c'est qui. d'être le chef d'un village, Mais enfin d'un. c'est toi qui va avoir l'argent. C'est toi qui va savoir combien d'argent le village gagne, combien de riz tu vends. Un, tu peux piquer dans la caisse. Tu as la meilleure position pour piquer dans la caisse et donc te faire une fortune personnelle. Déjà. Et donc, avec cet argent que tu vas gagner, soit que tu as mis de côté, soit l'argent du village entre guillemets, tu peux l'investir et donner des faveurs.
le territoire du le clan du crabe, tu as beaucoup, ça marche avec beaucoup d'argent parce que c'est un clan qui a peu de ressources et beaucoup de besoins. Le clan du crabe n'a pas de problème à acheter des choses. Donc, si tu as un démyo d'à côté qui t'appelle à l'aide, et que toi, t'as pas forcément envie d'aller l'aider parce que t'as pas une armée, mais que t'as de l'argent, tu peux payer des ronines pour aller l'aider. Donc, le démyo en question, il va te devoir une faveur. T'as un soutien politique. Tu fais ça plusieurs fois. Ben après, les gens qui sont autour de toi, quand ils vont avoir besoin de toi, ils vont te parler à toi, ils vont pas parler à ton démyo. Et c'est là que, de facto, tu deviens démyo, en fait. Et après, t'as juste à valider le truc politiquement, machin, mais c'est ça, c'est deux courriers, mais une fois que c'est fait, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... en gros, c'est toi qui tiens les rênes, et il faut que tu montres aux autres que c'est toi qui tiens les rênes. À partir du moment où les autres auront compris que c'est toi qui tiens les rênes, le travail sera fait, quoi. Et l'argent te permet de faire ça, te permet d'avoir du pouvoir, te permet d'acheter des ronin, te permet d'acheter des sacs de riz pour sauver un village qui est dans la galère, te permet, je sais pas, d'investir dans l'art, etc., etc. Donc là, c'est le nerf de la guerre, quoi. Il faut voir que l'argent chez le crabe marche exactement comme dans notre monde, c'est-à-dire que le mec a de l'argent, ben s'il veut devenir noble, il peut l'être. Chez le lion, chez la grue, chez les phénix, ça marche pas comme ça. Parce que l'argent, c'est pas si important que ça chez eux. Mais chez le crabe, oui. Tu peux avoir une vision très moderne de l'argent, et c'est assez proche de comment ça marche chez le crabe. Ok. Et il n'y a pas possibilité d'aller de point A à Z en un saut, quoi. Non. Mais non, c'est pas intéressant. Qui décide de dire, j'élimine mon Damio, je prends sa place et puis je... Ah ben, oui, tu vois ce que je veux dire en gros. Oui, mais ton Damio, il habite là, à 3 000 km. Vous décidez ce que vous avez besoin et moi je l'exécute en gros. Un peu, je deviens peut-être le sous-fifre de la famille impériale, mais je suis Damio. Alors, en gros, c'est peut-être rapidement fait, mais c'est quoi le problème dans ça, dans mon jeu, dans mon RP? À moins que Caillou décide de me frapper, de me tuer ou je ne sais quoi, hormis ça. Le problème, c'est que tu vois, tu vas directement au bout et c'est une guerre d'influence, en fait, si tu veux, quoi. Si tu veux être le calife, il faut être le calife à la place du calife. C'est ça. Il faut contrebalancer les effets du démio pour qu'en fait, ce soit toi qui prenne le pouvoir, version, moi, c'est moi qui prends les décisions, le démio, il sert à rien, regardez, c'est un gland, j'ai plus de pouvoir que lui, quoi. Parce que là, en plus, t'as aucun moyen d'assumer tes propos. C'est-à-dire que la famille impériale n'a aucun intérêt à se positionner en ta faveur par rapport au démio. Parce que tu es tout seul, en fait. Et même si tu butes le démio, tu verras qu'ils mettront le clan, mettra quelqu'un d'autre à ta place, parce que toi, t'es un inconnu, en fait. Et la famille impériale, c'est aussi des familles... Enfin, les familles impériales, en général, assez honorables, et donc, ils respectent la tradition. Alors, donc... Tout à fait. Maintenant, si j'en reviens justement à ça. Comment je peux savoir ça sans l'avoir vécu, si on veut. Parce que je répète à dire, je suis débutant dans le jeu, donc comment tu veux que je sache ça sans le vivre? Là, tu me racontes tout, tout à fait. Là, maintenant, je sais que je ne peux plus faire ça, donc je ne vais plus faire ça. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai, dans mon idée, je me suis dit, voilà, peut-être en effet, j'ai raccourci le tout. En effet, c'est peut-être pas le dans l'histoire du personnage, j'ai peut-être pas compris le tout comment ça se passe. Peut-être, ouais, c'est ça en fait moi qui me. Il y a aussi un truc, c'est que être démion, ça va t'exposer à des dangers. Ouais. Voilà. Ouais, on va pas débattre de ça maintenant, mais en effet. Tu vas être la position, tu vas être la personne responsable, donc forcément. C'est bien entre guillemets d'être le démion dans l'ombre. Voir comment ça marche et le venir après. Maintenant, si tu veux faire un coup d'état entre guillemets, ça serait faisable, mais il faudrait un katana, il faudrait que tu aies tué ton démyo. Tout à fait. Là, t'es sur un champ politique parce que, typiquement, t'arrives, mets-toi à la place du Mia. T'es un mec important. T'as une mission pour l'Empire. Tu trouves trois gugus qui traînent, qui ont l'air d'être plutôt des sympathiques et t'as envie. Tu dis, il y a moyen de se faire un peu de thunes ou au moins de visiter un truc rigolo, de passer le temps.
tu discutes avec eux, et là, il y en a un qui te dit, bah en fait, j'ai envie de tuer mon Demio. Voilà, c'est... Mets-toi à la place du Mia, hein. Comment il réagit, le Mia, quoi. Le Mia, c'est un employé des impôts. Ouais, ok. D'accord, ça marche. Voilà. Voilà, c'est comme ça, quoi. Pour lui, t'es, c'est un peu ubuesque, quoi. C'est un peu fort. Ça ne joue pas avec le cadre du jeu. Clairement. Ok, ça marche. Bah, dans ce cas-là, je n'ai aucune raison à l'empêcher de venir dans le village. Moi, quand il me pose la question... Disons que tu peux avoir des réserves parce que t'as pas forcément envie qu'il voit le Shiba et t'as peut-être envie qu'il reste. T'as peut-être pas envie de vous imposer ça. Voilà, donc tu peux. En gros, tu peux lui dire je sais pas, la route elle est difficile, c'est dangereux, patati patata, tu vois. On a pas de quoi accueillir, enfin on a. Voilà, le confort sera pas très très accueillant. Alors pour rester dans tout ce qu'on vient de débattre et tout ce que je viens de dire, je dirais que non. Justement, je vais lui dire venez dans le sens que à la limite qu'il se rende compte par lui-même ou je ne sais quoi, et sans peut-être dire que je veux buter mon Damio, enfin que je veux prendre sa place ou que je veux grimper dans la hiérarchie, on va dire. Parce que, effectivement, si tu l'invites à venir dans le village et qu'il se rend compte lui qu'il y a des trucs chelous. Bah, peut-être que tout seul il va faire des enquêtes etc, ou il va provoquer des choses, et que dans quelques temps ça va provoquer certaines choses. Ouais, mais ouais. Voilà. Alors pour le bien de l'histoire, et puis désolé pour avoir secoué le cocotier si on veut, parce que je sais que peut-être que j'ai mal interprété le tout, j'irai plutôt moi dans ce sens-là. Mais en tout cas, je ne l'empêcherai pas de venir, puis je l'inviterai à venir suite à sa question, s'il pouvait venir vers nous. Et puis après, Caillou, ta réaction, c'est la tienne. Bah disons qu'en faisant ça, en plus, tu augmentes ta durée de vie de ton perso. Parce que là, commencer à dire que tu fais des trucs illégaux, donc que tu associes Caillou à des trucs illégaux, comment te dire que un accident, ça peut vite arriver. Si ton personnage n'en parle pas, Caillou va soulever quelques petits points pour essayer de réfréner les envies du Mia de devenir. Mia Osama, vous êtes évidemment le bienvenu. Si vous souhaitez visiter notre village, sachez cependant que la route va être assez difficile. Et que vos nombreux... Il y avait des nombreux chariots, hein, si je me trompe. Oui, oui. Ouais. Et que vos nombreux chariots ne pourront certainement pas faire le voyage, car la route est très... Nous avons quelques chariots peu imposants, justement, à cause de l'état de la route. Tout à fait. De plus, les conditions d'accueil sont extrêmement limitées. Là, cela ne fait que quelques mois que nous avons investi ce village et comme vous vous en doutez, les commodités sont extrêmement limitées. Les conditions d'accueil sont à l'image du clan du dragon. À l'image du clan du crabe, pardon. Oui. du dragon, ça marchait aussi, mais c'est un peu c'est un peu plus touchy, quoi. Vraiment, il n'y a pas de dragon dans la pièce, quoi. non, mais j'avais vraiment en plus le clan du crabe en tête. Je sais pas pourquoi c'est le dragon qui est sorti, mais... Je vous remercie, Samurai Sama, de prendre en considération mon bien-être, mais j'ai l'habitude de parcourir tout l'Empire, et c'est probablement pas les conditions les plus difficiles que j'ai déjà eu à affronter. Et d'autant plus que l'hiver arrivera bientôt, donc autant le visiter maintenant, et quand c'est encore... Tout à fait. Lui dire, il y a plein de nuisibles chez nous.
Nous en avons, pour votre information, Mia Osama, nous en avons pour à peu près une semaine de voyage pour atteindre le village. Très bien. Nous marcherons avec vous et nos chariots, eux, par contre, continueront leur route vers le nord. Ils ne risquent rien sans escorte ? Oui, ils en ont une. Et on a rien vu, nous, comme escorte ? En fait, y a quelques samouraïs quand même en plus qui sont présents et puis d'accord. De toute façon quel démiocrabe oserait attaquer un convoi impérial. Tout à fait. Bah, mettons-nous en route le plus tôt possible. Je serais ravi de voir. Je parie que la vue là-haut elle est magnifique. Elle est imprenable. Et là, du coup, pour rebondir sur d'autres sujets, Mia Osama, c'est Poun Osama, peut-être avez-vous entendu parler comme nous de l'évacuation des femmes enceintes des grandes villes? Oui. Et de son origine? En savez-vous plus? Là, c'est Sibun qui va parler. Ok. Et qui va dire qu'elle a mené sa petite enquête et s'est renseignée auprès des autorités du clan du crabe. Il semblerait qu'un Oni se dissimule quelque part et engendre des rejetons. Les deux samouraïs du daimyo local sont encore là ou pas? Oui. Je leur jette un petit regard. Bah, ils écoutent, hein. Ouais. Et quelles informations avons-nous sur cette Oni, sur ces rejetons des Poun Osama? Il semblerait que les rejetons puissent prendre forme humaine. Mm-hmm. Ils sont doués d'une force assez importante. Ils sont résistants aux armes conventionnelles. Ah, description. Voilà. Caractéristiques des rejetons. Ce sont des adversaires assez redoutables. Et les combattants sur le mur m'ont conseillé de ne pas l'affronter seul. D'une part, parce que s'il gagne, il peut prendre l'apparence de son adversaire. Et donc, faire croire que l'adversaire est sorti victorieux du combat. Ouais. Et le plus, il est quand même assez assez fort, mais par contre, il se bat souvent en forme humaine et maîtrise des techniques crabes. Enfin, on va pas dire ça comme ça, mais maîtrise des armes crabes. On va le dire. Il serait très féru de Tetsubo. Merci pour ces informations. C'est Poun Osama. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à faire encore là ou est-ce qu'on peut faire une avance rapide pour aller jusqu'au village pour que retrouver Kunyaka? Voir de. Qu'elle participe un peu. Moi, c'est ok, y a pas de soucis. Bon aussi, ouais. De toute façon, je suis un peu mal à l'aise. Mais y a pas de soucis, hein, y a pas. Non, mais avec mon personnage, hein. Le fait d'avoir un peu. Mais si tu veux, comment dire, quelques infos là-dessus, ou une aide quelconque peut-être. Comment dire. Vois-le comme une espèce de magouilleur, quoi. C'est pas forcément. Certes, il a de l'ambition, mais t'es quand même jeune, quoi. Donc l'ambition, tu peux avoir de l'ambition d'abord du vrai pouvoir par l'argent, et après viser des trucs politiques, quoi. Mais t'as le temps. Je veux dire, sois pas pressé. Ok. Sois pas pressé. Ça sera déjà voilà. Ça sera déjà un conseil général, je pense. Tac. Vous dormez, le village, vous vous préparez, on vous dit au revoir, tout ça, et vous prenez la route, vous faites une petite semaine, et puis vous arrivez au village
Au village. Au votre village. Et du coup, alors, pour le coup, j'ai pas eu la réponse de votre ami Ida. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait pour terminer la partie renard. Voilà, donc on va mettre ça de côté en attendant que j'ai des infos. Ou qu'il revienne dans la partie, après les fêtes. Voilà, mais du coup, on va jeter un voile pudique là-dessus et on va faire le reste. Par contre, de ton côté, Kunyaka, oui. Je te le fais vite, mais t'as eu le temps de trouver le fabricant en fait de d'opium. Ah ah. Qui est-ce? D'accord. C'est un émine. Ça, je m'en doutais qu'on est les seuls samouraïs. Après, si tu veux un nom, c'est un des nouveaux. Donc il va pas avoir de nom du coup. Mais il en a en pot, il en a dans son petit terrain devant sa petite maisonnée. Et après, il t'aura dit que lui, il fait ça pour de façon médicinale, quoi. Après, il peut pas être derrière tout le monde quand il consomme, quoi. Oui, sans doute. Qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu le punis? Tu l'encourages? Tu prends un pourcentage? Non, je lui dis que ces plantes médicinales ne doivent pas être utilisées à mauvais escient. Étant donné que je suis la seule à prodiguer des soins de soi. réserver ces plantes pour mon office. Donc en gros, tu demandes le monopole. Voilà quoi. C'est ambitieux. Après, je lui dis. S'il s'en met de côté, petit peu pour lui, c'est pas grave, mais voilà quoi. Ça doit être réservé pour le. Tu te rends compte que tu demandes à un émine de dire non à Shiba Ayo? Oui. Je sais, c'est peine perdue. Voilà. Du coup, je lui dis, vous me remettrez, vous remettez-moi vos récoltes afin que ce soit protégé des intempéries correctement et que ça serve à ceux qui en ont réellement besoin. Et je le félicite pour ces belles cultures quand même. Vous avez la main verte, ça se voit, Emine. Ça... T'en veux? il est plutôt content parce qu'il attendait à pire, je pense. Il est plutôt soulagé à la fin de la conversation. Elle est pas méchante, je vais pas le mordre non plus, mais voilà quoi. Par contre, effectivement, elle est pas méchante, elle a invoqué un Genzen quand même. Hein. C'est un détail de l'histoire, voyons. Et puis, c'est pas donné à tout le monde de faire d'ailleurs, donc je suis quelqu'un d'exceptionnel. Du coup, il te dit oui, hein, il te dit oui. et du coup, une délégation revient avec, 4 samouraïs et, des chariots. On est un peu plus nombreux. Le Ronin, vous lui avez donné quoi comme mission du coup? Est-ce qu'il vient avec vous? Est-ce que j'ai pas demandé, mais est-ce que vous lui avez donné une tâche à faire? Il devait pas aller mener des lettres. Hein. C'est possible qu'il ait du courrier à envoyer, mais. Ouais, parce qu'il me semblait que je voulais chercher des réponses à une famille Kitsu, je sais pas quoi là pour. Oui. À propos de la Kitsune. Ah oui. À la base, on allait dans le village aussi pour ça, pour aller croiser le Ronin, mais... Et aussi pour la famille Renard. Ouais. Ok, donc vous avez envoyé des infos, donc vous avez, du coup, vous lui avez demandé d'aller clocher des informations chez les Kitsune, chez les Renards. Voilà, quoi. Il y avait aussi un courrier qu'avait fait Kunyaka, je crois. Il me semble, ouais. Et Kunyaka, c'était pour la même chose, ou... Oui, c'était pour tout, c'était ça. En fait, que c'était pas qu'il devait piocher des informations, c'est qu'il devait juste aller transmettre l'info. Ouais, ouais. Pas le message. Ouais. Ok. Il est parti. Et du coup, il a pour mission de vous de transmettre l'info, et après ça, vous lui avez donné une consigne,
Ou vous lui avez demandé de revenir avec potentiellement bah, quelqu'un, du coup? Parce que la question, bah, la lettre ouais, demande quelqu'un, peut-être? Oui, bah oui, justement. Le but, c'est d'avoir des informations, savoir que faire et enfin, de dire. Sans pouvoir des infos sur ce qui se passe, du coup, là, ça dépasse un peu les compétences de AK. Donc, ouais, c'est surtout pour avoir des informations à la base, quoi. Mmh. Ok, ok. Ok, il est parti faire ça. Mmh. Donc, petit repas où, du coup, Kuniaka est présenté. Ida est là aussi, mais on va faire sa présence. Qu'est-ce que je voulais dire? Félicitations, Kuniaka-sama. C'est prévu pour bientôt, je suppose. Tout à fait. Normalement, le mois prochain. Avez-vous choisi le prénom? Non, pas. Je vois que votre village est bien développé. Mais n'est-ce pas un peu tard pour l'avancement de votre riz, Samurai Sama? L'été est terminé, il est à peine en tige. C'est. Miyasama, enfin, oui, Miyasama. La raison oui. est simple, nous avons ici un climat à part, localement. Nous avons des sources chaudes qui maintiennent la terre au chaud et qui permet aux riz de pousser. Enfin, du moins, nous l'espérons. Nous verrons bien si ce que nous avons vu est vrai ou pas. Très intéressant. Très, très intéressant. Tu le vois, il discute avec la Sipoun. Un petit peu. Ils sont en train de faire des comptes. Oh, on va passer par ici l'an prochain pour les impôts, ça va te donner. C'est un peu ça, oui. Pourquoi l'an prochain? Il est en train de te regarder pour maintenant. Ah bah oui. Ça, c'est pas moi le chef du village. Mais il n'a pas le chef du village. Il y a un tour de table qui est organisé quand même, donc tout le monde s'est présenté évidemment, et vous voyez que la Sepoun elle fixe beaucoup Shiba Ayo. Ah. Shiba-sama, il me semble avoir déjà entendu votre nom quelque part. Et d'ailleurs Shiba forcément, au paradis quand il entend ça. Hein. Je suis ravi que mes quelques talents soient arrivés jusqu'à vous, Sepoun Shilou-sama. Votre mémoire ne vous fait pas défaut. Il semblerait que j'ai quelques connaissances en art qui me poussent à être un peu connu dans l'Empire. Et tu la vois qui réfléchit un peu, et au bout de 5 minutes... Shiba Yosama, il semblerait que votre clan vous cherche de partout. Le Shiba dit oui, mais je suis ici, rien de... Est-ce qu'on ressent quelque chose dans ce genre de discussion? une inquiétude de la part de Shiba ou... Alors, Shiba n'est pas inquiet, lui il est plutôt sage. Elle vous regarde quand même, hein. elle est un peu surprise de... Il y a un truc qui colle pas, quoi. Le Mia, lui, il est pas trop occupé à cette conversation-là. Après, vous pouvez être mal à l'aise, par contre, ouais. Vous pouvez avoir un petit peu une petite goutte de sueur qui coule le long de votre front. Je regarde les deux autres. Shiba... Ayo-sama profite des paysages et du retrait de ce village pour pouvoir se consacrer à son art. Cela lui évite de pouvoir s'y consacrer sans avoir des sources de distraction qui pourraient interférer avec ses compétences artistiques. Il est vrai que
Notre village se prête à ce genre de tranquillité. Moi, je dis rien. Qui plus est, nous avons d'excellentes sources chaudes qui procurent bien-être et une peau de bébé. Je lève les yeux au ciel un peu, enfin, je regarde genre un peu comme si c'était ouais, exagération quoi. Alors on voit que t'es pas allé faire trempette dedans. Je pourrais vous y mener d'ailleurs, Miyasama, Sepune, Sama aussi si vous le souhaitez. Nous avons aménagé un petit onsen. Le Sepune sort de son calcul et vous dit Samurai-sama, d'après mes registres, vous n'avez pas payé l'impôt cette année. Juste, comment ça se passe les impôts par rapport au village ou autre avant que... C'est une année fiscale pleine ou... C'est pas sur l'année N-1. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est le Daimyo qui règle ça, c'est les villages... Non, c'est le Daimyo. Ouais. Non, c'est le Daimyo qui collecte et qui envoie. Voilà. Mais il y a un service qui dit « Ah, on va aller vérifier quand même. » Et puis, ce service a remarqué que ce village n'existe pas, quoi. Enfin, il n'a pas c'est eu C'est un peu l'idée. Voilà. Et donc, vu qu'on n'a pas de chef du village, à proprement dit, on est d'accord avec ça, hein ? Oui. Ouais. Vous êtes des samouraïs, il fait la demande à vous. Voilà. Après, c'est à vous de gérer ça, de la transmettre à la bonne personne s'il faut, etc. etc. Est-ce que nous on, est, calcul, donc nous, on est bien au courant, on est d'accord. Nous, on est bien au courant que ce village, il est un peu... On nous a donné cette mission, mais on est bien au courant que c'est pas très légal, si on veut. Enfin, c'est légal, mais on est au courant qu'il ne paye pas les impôts ou ce genre de choses. Disons que... Ou on est surpris pas... quand il dit ça. Ben non, vous n'êtes pas surpris parce que effectivement vous n'avez pas payé les impôts. Maintenant, si c'est notre Daimyo qui doit, puis qu'il n'est pas dans le même village. Mais, alors, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Ça peut être une lenteur administrative entre guillemets et que peut-être que votre Daimyo les a payés, mais que lui les a pas dans votre registre parce que il s'occupe pas de la même région du temps du crabe. Ça peut être une possibilité. Deuxième possibilité, effectivement, votre démon ne les a pas payés. De volontairement ou pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que répondre que. Voir ça avec notre Daimyo, ce serait. Insultant ou quoi que ce soit. Moi, c'est plutôt ça que je voulais. Parce que moi, en gros, c'est mon objectif, c'est de dire. Voir ça avec notre Daimyo, je pensais que c'était fait. Ou typiquement, que c'est en toi cours. qui veut être calife à la place du calife, si c'est toi qui les paye les impôts, tu prends la posture du Daimyo, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc tu payes. Mais je vois. Devant le mien, tu passeras pour le Daimyo du coin. Voilà. Je te donne un exemple, hein, mais ouais. Voilà. Et donc là, en jouant la carte de « Bah oui, mais en fait, c'est le Daimyo, il faut aller voir », voilà, du coup, ouais, tu montres pas une position de pouvoir. Mmh. Tout à fait. Voilà. Alors, ma manière de faire, ça sera « Et de combien sont ces impôts ?» Eh bien, justement, j'ai fait le calcul. Et on arrive à quelque chose comme soit 45 tonnes de riz, soit ah oui, c'est carrément coucou. C'est carrément notre école complète, là, quasiment. Alors, en fait, vous comprenez qu'il a basé ses calculs sur le fait que vous ayez tout produit, en fait. Oui. Parce que lui, il arrive, il voit le village, et vous avez du riz partout, en fait. Miyasama. Après.
Oui, vas-y, vas-y. Autant en riz, c'est compliqué à payer. Autant en coco, c'est faisable. Hein. Je pense que vous avez largement l'argent. Hein. Oui, oui, parce qu'on a encore en plus une bonne partie des sous que nous a filé le Daim au départ, etc. Oui. Mia Osama, pardonnez-nous, ce ne sont pas des domaines dans lesquels nous avons été formés, nous avons eu l'occasion de beaucoup pratiquer. Comme nous vous l'avons expliqué, nous sommes arrivés dans ce village cette année avec des semences et des provisions fournies par notre daimyo. Nous avons une première récolte qui nous a permis de pouvoir replanter et nous allons voir si la seconde récolte va permettre de faire une. Enfin, les deuxièmes semences vont permettre d'avoir une récolte, une deuxième récolte dans l'année. Mais est-ce que cela est entré dans le calcul de cet impôt Écoutez, nous allons pas faire de compliquer la situation plus qu'elle ne l'est. L'Empire a besoin de vous en ces temps troublés. Et je pense qu'une petite oubliade dans le sens de l'Empire n'est qu'à votre bénéfice. Son évaluation du prix, est-ce qu'elle est bonne d'après moi ? Comme je l'ai dit, il a basé ses calculs sur le fait que votre village s'est produit complètement. Oui, mais est-ce que d'après moi, est-ce que j'évalue la même chose ? Alors, oui, ça semble honnête dans le sens que si tu prends le fait que vous avez eu deux récoltes entières. Ouais, tout à fait. Alors, d'après ce qu'il dit, je ne le sens pas mentir ou essayer, enfin, ou il est pas, il est vraiment au juste, quoi, peu de chose près. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas de récolte, on a eu que. Non, une, non, quoi. Mais c'est juste pour savoir si. Même pas, je me suis trompé dans mes calculs. Il ne le fait que sur la récolte que vous avez en cours, en fait. En fait, on va le donner autrement. Normalement, en fait, ça serait le double s'il avait fait le calcul sur toute la production. Mais en fait, il va vous faire, c'est qu'il va vous dire. Vous voyez, les impôts sont récoltés normalement à la fin de l'été, quand les gens ont fait les récoltes. Mais vous avez l'opportunité de récolter après, encore. Mais le problème, c'est que il faut payer les impôts maintenant. Et donc, je vous fais payer les impôts sur ce que vous allez récupérer. Parce que l'année prochaine, vous aurez à payer vos deux récoltes. Et là, je suis gentil, je ne vous fais que la récolte qui arrive. Ah oui, du coup, je dis rien. Ok. Et ça change pas ma question, c'est son évaluation de la récolte, enfin, ce qu'il nous dit... Moi, je le valide, enfin, dans ma tête. Oui, ça a l'air cohérent. Dans son calcul, ça a l'air ce qu'il faut. En gros, il prend 10% de ce que vous produisez. Le taux d'imposition normal, on va dire. Ouais, 10%, on n'a pas produit autant de riz que ça non plus, quoi. Parce qu'il manque quand même 45 tonnes de riz, quoi. Quand vous allez faire la récolte, si la récolte se passe bien, vous allez en récolter 450 de tonnes. Hein, donc, ouais, c'est pour ça que en fait, 10%, qu'importe combien il prend, ouais. C'est 10%, donc ça va. Et puis les 25 coucou, les salaires, on a du retard. On a du retard sur les impôts. Voilà. Et ça veut dire aussi que l'année prochaine, vous aurez le double à payer. D'impôts, ouais. Oui, mais on saura un peu mieux gérer l'année prochaine. Oui. Et combien de coucous avait dit 25. Dit, 25 Je regarde les bah, du coup, je regarde Kuni et Yasuki en indiquant dans le chemin de tête que pour moi, c'est il n'y a pas de souci pour payer les 25 coucous. Moi, je... Est-ce que les impôts, c'est négociable, en fait Pop. Si tu tiens qu'à ta tête sur les épaules... C'est une question hors roleplay. C'est pas une question que je lui pose à lui. En gros, tu négocies pas tes impôts. Hein. C'est très coupeur de tête, sinon. Disons que...
Tu pourrais te permettre de le faire si tu connaissais le gars en face et que tu savais qu'il piquait dans la caisse ou quoi, ou caisse. Ouais, ok. Mais là, tu connais pas l'individu, c'est un peu trop chaud de... Après, tu pourrais éventuellement négocier un paiement différé, tu vois, ce genre de choses. Mais s'il est sympa, mais le truc, c'est que 25 coucou... C'est, pour vous, c'est important, mais en fait, pour lui, c'est rien du tout. Donc, il va pas être trop... Parce que lui, quand il passe en ville, il fait un commerce, il se prend... Enfin, oui. L'impôt d'un commerce, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Donc, voilà. Ma négociation, ça serait plutôt de lui expliquer que pour s'implanter, on a dû faire face à des soucis d'avoir vraiment une production. Et ce serait sur ça que je jouerais la négociation pour pouvoir un peu... Négocier là-dessus, ça sera pas top. Par contre, lui sortir les mêmes arguments pour demander une subvention, oui. Une subvention pour nous aider à... Ben, pour le trésor des Mia, parce que c'est toujours vrai, hein. Il est toujours. Si vous lui exposez votre vision, vos projets, etc., etc. Ben, peut-être qu'il sera prêt à vous envoyer de la thune pour vous aider. Ouais. Et plus que 25 coucous. Oui. Donc c'est pour ça que les 25 coucous, ça me semble mettre une... Pas moufter là-dessus, c'est pas... Non, forcément déconnant, ouais. C'est ça. Si on fait OK, on paye les impôts, on est en règle. Si c'est toujours le même qui passe, c'est peut-être pas bon de commencer à négocier dès la première fois, tu vois, quoi. Oui, non. Et puis 25 coucous, on peut se le permettre. Nous allons payer... immédiatement c'est 25 beaucoup. Qui gère la cagnotte La cagnotte générale? Ouais. Ah bah en tout cas c'est pas à cause, ça c'est sûr. Bah personne l'a géré vraiment, je crois. Alors je dirais que je pense que ce serait moi le plus... Ça me semblerait assez logique. Voilà. Maintenant, j'ai rien qui m'a été transmis ou quoi, de combien on a. Ouais, je sais, mais je pense que ça a été un peu perdu dans les méandres des persos qui sont partis. Ouais. On avait commencé avec 100 coucou, 100 coucou. Ouais, mais il y avait pas mal qui avaient été perdus, hein, mais on a eu quelques dépenses, quoi. On a eu quelques dépenses, mais j'ai pas le listing. On avait acheté du bois, on avait acheté le riz. On avait acheté du bois, du riz, des trucs de fabrication, des trucs comme ça, mais j'ai pas eu le... Je vais considérer que les 25 coucous, ça va vous les terminer okay. Les 100. Ok. Ok. Voilà. Ouais. Je crée une nouvelle feuille de groupe pour dire coucou de groupe. Oui, tu peux. Trésor du village. Ouais, trésor du village, exactement. J'ai marqué mon trésor. De toute façon, je te le conseille fortement parce que quand tu vas vendre ta production, les coucous que tu vas engendrer, c'est toi qui vas les garder. Hein. C'est toi qui vas les mesurer et tout. Donc c'est toi qui me diras combien tu les as vendus. Avec tes jets, tu pourras essayer de les vendre plus cher, etc., etc. Donc c'est ton travail, entre guillemets, de garder ça. Et évidemment, comme c'est toi qui auras le portefeuille, tu pourras dire oui ou non à des investissements et potentiellement, si tu es motivé, mentir et te mettre quelques coucous de côté. Quoi. Donc là, 25 coucous, c'est pour les impôts. Ouais. Impôts, est-ce qu'il y a une date, hein, quelque chose que je peux noter Ou je note juste impôts Année zéro, tu vas mettre, voilà. Donc, ok. Je me rappellerai. Ça marche. Voilà. Alors, je vais marquer reste 0, hein, je ferai un calcul plus tard. Voilà. Tac, 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 tac. Bah, du coup, les deux impériaux vont rester quelques jours, donc à vous de leur faire un petit programme intéressant. Ah, bah oui, je leur montre notre onsen, hein, qu'on a installé, tout ça, quoi. Je pense qu'avec le IDA, on va proposer à la Sepoun quelques entraînements aussi, des trucs comme ça. Ouais. Et moi, de mon côté, je vais parler du trésor des Mia. Je pense que la Sepoun va un peu discuter avec vous et va vous scruter beaucoup pendant les repas, au moins les premiers temps. Et comment dire. Et elle, par contre, elle va... Alors, une fois qu'elle aura compris qu'il n'y a pas trop de danger à laisser sa charge avec vous dans le village, elle... J'ai elle va plutôt ma rester femme. Dans la demeure
dans la demeure principale des samouraïs. J'ai caché ma femme alors. Bon, non, elle est là, bah, elle va discuter avec les deux, hein. Y a pas de... Non, non, mais je rigolais. Y a pas de problème. En termes de menaces, tout ça... Ah. Oui, mais le mien est pas... pas fragile, je dirais. Comme vous sentez qu'il a pas mal voyagé. Alors certes, c'est un courtisan, c'est pas un bushi, mais il a pas peur de se tremper des pieds, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pas quelqu'un de enfin, il peut aller dans l'action, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez un peu discuté avec la Sepoun, elle vous aura dit que ils ont n'a pas toujours été collecteur d'impôts, entre guillemets, et que il lui est arrivé de faire des enquêtes et de fréquenter des quartiers un peu comment dire, un peu dangereux dans certaines grandes villes de Rokugan. Quoi. Okay. Vous sentez que le Mia, il est quelqu'un qui a très à cœur sa mission, mais qui est quand même pas aussi honorable que la Sepoun, vous voyez. Il est pas au point de... Comment dire, de trahir, enfin de faire des trucs un peu dégueulasses, mais marcher dans la boue et se salir, c'est pas trop son problème, quoi. Donc voilà. S'il n'y avait pas eu la Sepoun, s'il n'y avait pas eu la Sepoun, j'aurais presque pu l'avoir, quoi. Non, je plaisante. Non, s'il n'y avait pas eu la Sepoun, je pense que ouais. Il aurait pu t'insulter, en fait. C'est ça que il n'aurait pas mis les formes pour te remettre sur le droit chemin. C'est l'idée. Alors, qu'est-ce que vous lui faites faire, du coup, au Mia ? Dis-moi. Alors, on le met tout en haut et puis on va le jeter d'une falaise. Ah, moi, je t'ai dit, je l'emmène au bain, ça l'occupe une petite soirée, tranquillement, comme ça, que tu vois, quoi. Au bain ? Ouais, dans les sources chaudes qu'on a installées. Ouais. Ça l'occupe une petite soirée, tranquillement, tu sais, avec les étoiles qui tombent et tout ça, enfin qui se couchent et tout ça, quoi, l'eau chaude. Je fais un truc comme à la vraie japonaise, tu sais, quoi, tu vois, je fais ramener le thé, tout ça. Pourquoi je me baigne pas avec lui, ça va de soi, quoi, mais... Bah, pourquoi ? Bah, parce que mon état ne permet pas, d'abord. Ouais, bon, c'est sûr, tu ressembles plus à un chameau qu'à autre chose, mais... Bah, voilà. Moi, je le suis. Enfin, je les suis et puis moi je l'accompagne dans le bain pour justement parler plutôt du trésor. Tu les suis dans le bain, c'est ça? Dans le dos? Les suis dans le bain dans le dos, c'est pas utile quand ils viennent dans le bain. Oui. Bah, tu le frottes, quoi. Non, mais ok, pas de soucis. Bah, il vous demande si vous avez des vues pour améliorer ce bain afin de peut-être le rendre plus comment dire, pour pouvoir accueillir plus de gens. Ah, c'est Miyasama, c'est tout à fait le but que nous cherchons. Nous avons aménagé comme cela après avoir découvert ces sources chaudes, mais nous avons effectivement dans l'idée d'accorder le bâtiment qui reçoivent plus de est-ce qu'une solution à l'abri des intempéries, tout en profitant des bien-être de la source, mais... Tout en étant en accord avec les amis du coin, Oui, tout à fait. Tout à fait. Les camis sont mes amis. Et nous avons d'abord... garder en tête... la reconstruction du village afin de pouvoir loger tous les émines et tout ça en priorité. Pouvoir produire en grande quantité et subvenir également à nos besoins et pouvoir produire afin d'en avoir suffisamment pour le... comment je pourrais dire ça ? Je souhaite le dire pour eux, en un sens. Pour récompenser ? Pour récompenser, voilà. Merci. Alors, leurs efforts ? Ok.
Bon, il va passer la journée, il va faire le tour des rizières aussi pour voir un peu. Et quels sont vos projets du coup vis-à-vis des rizières que vous avez encore un peu de place, j'imagine. Vous convoitez de d'agrandir. Nous consultons notre. Enfin, je vais laisser Kuni Akasama parler. Elle est plus à même de vous expliquer la situation. C'est sûr, j'ai la main verte. Miyasama, effectivement, nous avons avec Kayusama étudié les possibilités pour agrandir. Nous avons, donc, je lui montre, donc bon, c'est un peu là comme ça, la nuit tombe de ça. Je lui montre un peu les plateformes de montagne. Nous pouvons encore remonter un petit peu sur ce côté-là et sans doute de l'autre côté, mais pas trop, afin de garder toujours la chaleur de la terre, afin de pouvoir, de garantir une bonne culture du riz si nous allons trop. Nous n'avons pas de garantie que le riz prenne et pousse. Mais nous espérons gagner effectivement pas mal de place. Tout en respectant. Il te le dit, vous pouvez gagner à peu près. Ouais, vous allez presque doubler votre surface en fait. Bah, ce qu'on savait déjà en fait. Oui. Mais non, mais lui, il le fait de tête, tu vois, le calcul. Oui, oui, d'accord. Mais c'est une surface qui a été validée par rapport au Camille. Enfin, on n'a pas ce problème-là, c'est réglé, ça ou... Ah non, on est en... je rien dis de tel. Hein. Ah oh ouais, là, c'est pour ça que moi, tel, justement, hein, là, je, nous, tout à fait niveau... Dis, c'est pour ça que peut-être que Kuni Akasama pourra plus vous en expliquer, mais je pense que nous devons aussi également respecter la volonté des Camille par rapport afin de ne pas se retrouver avec une récolte misérable. Oui, tout à fait. Ils ont découvert que le village n'a pas été occupé pendant de très très nombreuses années et les Camille sont. Sont habitués à l'absence de Rokugani et se sont habitués, enfin ont pris pour compte que la partie cultivable est celle qui est déjà en place. Mais vous, Kuni Akasama, vous êtes chouvienne de la terre, vous saurez vous plier les camis à votre volonté. Tout à fait, nous travaillons dessus. Mais ils sont un peu sauvages. Je regarde Kuni Akasama avec des grands yeux sur le tout à fait qu'il vient de dire par rapport à plier la volonté des Camille. Ouais, il faut encore un peu du niveau, mais ça viendra. Ben oui. Un jour, il saura ma botte. Un jour. Après plusieurs tentatives d'assassinat et tout ça, mais après beaucoup dans ma tête, de coulis de boue, ils entendent rien. Ouais, mais au bout de 50 coulis de boue, le village aura pris 3 mètres de hauteur. Mais ce sera bien. Bah oui, on aura plus besoin de damer le sol, il sera déjà fait. Et 50 tonnes de riz en moins, oui. Oui. Dans tous les cas, nous avons la chance ici d'avoir, comme vous pouvez le voir. Alors que l'hiver se rapproche des températures encore largement clémentes et douces. Qui plus est, c'est un endroit agréable, je dois le reconnaître. Je bascule de l'autre côté. La Sepoun, tu t'entraînes avec elle, Kayusama ? Bah avec le Ida, oui. Ok. Elle est pas hyper intéressée. Elle participe par politesse, mais voilà, c'est pas son délire. Ok, bah du coup on lui proposera qu'une seule fois et pas plus si on voit qu'elle est pas plus intéressée que ça, c'était. Voilà. Elle est pas mauvaise, hein. Elle est vraiment pas mauvaise. Après, à deux contre elle, vous avez chance de la battre, quoi, quand même. Hein. Mais et voilà. Et surtout, en fait, la matinée, vous allez passer du temps avec elle pour vous entraîner et tout, faire vos katas et tout. Alors ouais. Forcément, quelqu'un de très honorable, donc elle a. Un cérémoniel que vous avez pas, que vous trouvez un peu ridicule peut-être en tant que crabe, mais que vous pouvez aussi apprécier, que vous pouvez trouver aussi joli quelque part. Mm-hmm. Il y a une certaine chorégraphie, on va dire, du truc. Et par contre, dès qu'elle a fini avec vous,
Elle va pas mal discuter avec Shiba Ayo. Ah. Et le soir, au repas... Ok. On va directement... alors que tout le monde mange tranquillement son petit repas, Shiba Ayo arrive un peu en retard. Et Samurai-sama, grâce à nos invités, j'ai pu réaliser une nouvelle pièce d'art, une peinture. Et il vous la dévoile, et c'est un de la Sepoune. Ah ? C'est une commande spéciale. Quelle imagination débordante avez-vous, Shiba-sama ? Ah non, j'ai rien imaginé. Je m'étouffe en buvant mon thé et... Ah bah elle est ravie. D'accord. Elle est ravie parce qu'elle juge la... Alors bon, déjà, vous gagnez tous un point de vide hein, quand vous voyez la peinture, hein, déjà. Ah, clairement. Ah bah oui, c'est un Shiba qui peint, donc oui. C'est sa spécialité. Ces œuvres d'art, c'est des machines à points de vide. Ok. Donc vous gagnez ça, la peinture est sublime. Hein. Mais c'est même au-delà de ça, quoi. Je veux dire, ça touche votre âme, ça perce vos yeux, c'est fou, quoi. Même, évidemment, le modèle, vous voyez, vous reconnaissez la Sepoune, mais c'est anecdotique, quoi. Ça va bien au-delà. Et donc elle est ravie, elle juge la peinture, elle trouve voilà la lumière, le machin, le coup de pinceau parfait. Et vous voyez qu'elle est hyper calée en peinture et que visiblement elle s'est un petit peu portée volontaire pour être le modèle quoi. Comment réagit ma femme quand je vois cette peinture ? Bah rien de spécial, bah elle aussi elle apprécie la peinture et puis. Elle apprécie aussi la peinture. Okay. Ouais. Bah. Elle est pas jalouse, hein. Ouais, c'est de voir, me voir regarder un portrait de nu. Je voulais voir sa réaction. Elle comprend l'art autant bien que moi. Ça. Oui, je veux dire, c'est tellement une œuvre d'art sublime que on peut pas vous reprocher de la regarder, quoi. Et ça reste pudique, hein. Je veux dire, c'est un nu, mais voilà, elle a pas les jambes écartées non plus, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Hein. Ouais. Et la Sepoune demande à sa charge s'ils peuvent rester quelques jours de plus pour faire d'autres œuvres d'art. Et Mia répond quoi ? Ben, il va vous regarder en vous demandant si c'est... est-ce que ça serait pousser votre hospitalité de rester encore quelques jours ? Moi, j'attends même pas de voir les autres qui répondent. Immédiatement, je dis bien évidemment, si vous le désirez, vous le pouvez. Très bien. Bah, très bien. Bon. On n'a pas encore passé. Ah non, on n'a pas encore passé un hiver ici, donc on sait pas s'ils peuvent être prisonniers à cause de la neige. Et là. Isha vous l'a dit, hein, ça vous le savez que ça. D'accord. Ça. Par contre, vous êtes encore au début de l'automne, donc vous avez encore 2 mois. Oh oui, d'accord, donc il y a encore la marche. Donc, mi-automne, faudra y aller, quoi, on va dire, mais vous avez un bon mois sûr, sans problème, et selon si l'hiver est précoce ou pas, voilà. Okay. Eux-mêmes, ils sont au courant de ça. Enfin, il me semble que quand on est monté, avant de venir, ils avaient dit raison de plus pour qu'on nous y allions maintenant. Donc c'est un peu comme s'ils étaient au courant que l'hiver pouvait être. Oui. Ouais. Oui, ils ont quand même cette notion-là en tête. Hein. De toute façon, ils sont occupés, donc en restant 4-5 jours, ça va pas être un problème. Quoi. Ouais. Mais. Comment dire ? Vous voyez que quand même, que la Sepoune et le Shiba discutent beaucoup. Alors. Ça reste très cordial, mais la Sepoune, elle va aussi vous poser des questions de comment vous avez fait pour le trouver, comment ça se fait qu'il est arrivé là, etc. Donc on peut même le jouer d'ailleurs. Samurai-sama, comment avez-vous réussi à mettre le
la main sur Shiba Yosama, entre guillemets. Vous savez que c'est l'un des plus grands peintres de tout l'Empire. Non, je n'étais pas au courant. Je trouvais ces tableaux magnifiques, mais je ne sais pas qui était le... Qui était meilleur. Non, c'est pas vrai du tout. Mais je ne sais pas qui était le meilleur. Sachez que si sa présence et si le clan du Phénix apprend sa présence ici, vous allez recevoir très rapidement, je pense, une délégation du Phénix. Et bon, pour quelle raison? Parce qu'il le cherche depuis pas mal de temps. D'après ce que je sais, il est porté disparu. Alors t'as Shiba qui rigole et qui dit oui, il y a des gens importants au clan du Phénix qui s'inquiètent un peu pour moi, mais c'est pas très très grave. Est-ce que quand il dit ça, on remarque rien? Ah, c'est du pipeau. Ah, du pipeau clairement, ouais. Est-ce clairement. Que eux remarquent que c'est du pipeau clairement? Je pense que oui aussi. Pas forcément, je vais dire... Nous, on le connaît à force d'être qu'il soit là, mais est-ce oui. que eux... Ouais, donc est-ce que eux, ils remarquent moins que nous, quoi? Ouais, je vais dire que c'est pas... comment dire? Disons que vous avez une idée des raisons de pourquoi il est là, ouais. Et même si vous avez pas grand-chose, enfin, vous avez pas les détails, vous savez que c'est peut-être pas... Il s'est passé des trucs un peu bizarres autour de lui. Mais aux yeux de comment dire, aux yeux des deux samouraïs qui sont vos invités, le Shiba, il est là parce qu'il est parce qu'il le veut, en fait. Donc c'est moins suspect. Et donc du coup, le Shiba dit qu'il aime bien l'air de la montagne, que ça le... Il avait besoin de trouver une nouvelle source d'inspiration et voilà. Vous voyez Kuniaka, Sama, vous voyez ce que j'ai réussi à faire quand j'ai un modèle qui me plaît, qui me sied. Je rêve de faire la même chose avec vous. Il est vrai que avoir des objectifs dans la vie est important. Je cache ma gêne hein, quand il dit ça, quand il a dit ce truc-là. Ouais, lui, ça le fait rire, hein, mais tu sens qu'il y a quand même. Alors, il joue un peu là-dessus, tu vois, il sent que ça te gêne un peu, il en rigole, mais son propos est vrai, dans le sens que il a pas d'intention mauvaise avec toi, dans le ah sens oui, qu'il sais, veut te sais, draguer, quoi. Etc. Hein, c'est pas ça, hein, il a vraiment envie de dessiner, quoi. Ah oui, ça je m'en doute, mais bon, pour l'instant, dans mon état, ça fera pas forcément des jolies choses. Bah, au contraire, c'est rare qu'il ait des modèles dans votre état. Modèle fécond. Plein. Plein. Rond. Modèle fécondé, plutôt. Mais bon, si je vois que ça vous dérange, je ne sais pas pourquoi, mais je respecte votre... Je... Bah, tu vois qu'il t'a déjà croqué quand même, hein. Il t'a déjà dessiné quand t'étais en méditation... Ah oui, ça je sais, parce voilà. Que je vais souvent le voir en haut afin de m'assurer que tout va bien, vu que je suis préposé de la garde du monsieur. Ces prochains jours, si vous le souhaitez, là, j'ai encore deux trois choses qui m'occupent et je n'ai guère le temps pour cela. Mais une fois que j'aurai fini, je serai tout à vous. Je serai ravi. Bon, tu vois que la Sipoune elle est jalouse. Mais du coup, je réponds à la Sipoune. Shiba Yosama nous a été présenté le jour où nous sommes partis pour en expédition pour rejoindre ce village. Mmh. Il s'est joint au convoi afin de découvrir ce lieu et de profiter de sa sérénité. Shiba Yosama, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Votre dojo de l'école
Shiba, les artistes de Shiba a été attaqué. C'est le Mia qui parle. Hein. Mais bah, s'il répond pas, moi je réponds. Mais qui aurait osé faire ça? Des Gaijin, apparemment. Ils auraient attaqué pendant un festival d'art. Ils ont attaqué le festival qui se trouvait dans un village portuaire juste à côté de l'académie. Ils ont attaqué le dojo en question et d'autres villages sur la côte Phoenix ont été également attaqués. Les Gaijin sont autorisés dans l'Empire ou pas? Non. Ah. Le clan du Phoenix a eu des difficultés à chasser ces Gaijin de leur terre. Elle a un petit côté un peu mi-insultant, mi-incompréhension de pourquoi les Phoenix ont mis du temps à les repousser. Mais... Ah, c'est la première fois que j'entends un tel que les Gaijin auraient fait un tel raid. Je suppose que ici vous êtes un peu coupé du monde et que vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Tout à fait. Ça date déjà de quelques mois, hein. Évidemment. Je n'ai pas toutes les infos. Enfin bon, je pense que depuis le temps c'est déjà une affaire réglée, mais peut-être que Shiba-sama vous voudrez que je transmette un message pour vous ou à des amis à vous peut-être. Shiba dit oh non, ça ira, merci. Il vous regarde quand il dit non, hein, pour voir si c'est bien la bonne réponse un peu. Bon, moi, approprié. Je dis rien du tout. Je reste impassible à son regard aidant, peut-être. Moi, j'ai juste les amis, la famille de Shiba. Sans les amis, la famille de Shiba, pour ma part, je serais heureux de les rencontrer, mais je pense que. Trop de passages au sein de notre village nuirait à sa sénérité et prospérité, tout à fait. Voilà, tout à fait. Oui, sans parler de passage, je pensais juste transmettre des bonnes nouvelles. Mais très bien. Bon, du coup, ils vont. Bah, moi, Omiya, je lui propose demain de. S'il veut découvrir un peu les entours de notre village, je propose de l'emmener en Haute-Crète et de lui présenter un peu la vallée, ce qu'il y a un peu autour, tu vois, de la vallée, quoi. Ouais, j'accepte volontiers. Pour le coup, la Zepoune va venir avec vous. Et la question, est-ce que tu lui montres la plaine aux animaux? C'est-à-dire l'endroit où la Kitsune a amené le gamin et a disparu? Ouais, est-ce que tu évites la zone? Est-ce que tu passes à proximité? Non, de toute façon, il n'y a rien de spécial, hormis qu'il y a des animaux, un peu plus d'animaux que d'habitude, non, c'est ça, hein. Ouais. Et ils sont toujours les animaux, d'ailleurs, ou ils sont pas partis? Non, comment dire? C'est moins flagrant. Il n'y a pas de gros animaux présents qui dorment, etc., mais il y en a quand même pas mal en nombre. Voilà, si tu t'assois et tu restes une petite heure, tu vas voir beaucoup plus d'animaux à cet endroit-là que... ailleurs, mais c'est souvent des animaux de passage, etc., etc. Oui, bah, je serais passé vite fait pour le... Voilà, juste pour... Techniquement, vous y sentez pas mal à l'endroit, hein. Vous vous sentez pas non plus très bien, mais enfin... pas de sensation de bien-être ou de mal-être dedans, mais voilà. Non, c'est juste qu'il y a des animaux, quoi. Oui. Personne n'a de phobie animalière? Non. Je montre aussi au loin, tu sais, le vieux temple où je lui dis avoir trouvé les restes d'un déchaud appartenant à la famille Mirumoto que nous avons rendu. Enfin, que nous espérons avoir rendu. Le monastère, il a disparu, hein. Oui, non, mais j'ai vu. Le pendant montagne avec, hein. Oui, mais c'est pas grave, je lui montre la vallée, quoi. J'ai fait là-bas, nous avons trouvé des ruines, enfin, je parle pas de monastère, je parle de ruines, en fait, si tu veux, quoi, tu sais, le... Voilà, quoi. Ouais. Ah, et puis, il y avait des tapis volants aussi, je parie, non?
Ouais, je n'irai pas jusque là. Quelques cocous. Hein. Non plus. Bref, j'ai poussé pendant la vallée, je fais tout pas. Déjà, je dis ça. Est-ce que j'ai réussi à monter déjà? Oui. Alors, je sais pas. Est-ce que tu vas seul ou est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui vont avec eux? Moi, j'y vais. De toute façon, si j'y vais, ça va prendre du temps pour monter. Hein. Moi, j'y vais et j'ai t'as les gamins d'Adère qui peuvent te transformer en un truc qui va sous terre, quoi. Oui, mais ça ne dure pas. Je crois que ça ne dure pas si longtemps que ça, je crois. Mais bon, le but c'est de voyager avec lui, histoire de discuter, de puis pointer la vallée, là-bas il y a ça, là-bas il y a ci. Caillou, tu vas avec eux ou pas? J'hésite, ça dépend s'il y a du boulot au village et qu'il y a des ouais, trucs à faire. Ouais, pas tant que ça, hein, mais. Ouais. Bah ouais, je vais aller avec eux alors tranquillement. Ah, c'est, de toute façon, c'est les émis qui construisent pour nous donc. Ouais, mais il peut y avoir du boulot à la forge, il peut y avoir du boulot, des trucs. Il peut y avoir des tremblements de terre. Il y a des trucs à réparer aussi des fois, des bâtiments, des trucs comme ça, donc... Ouais, mais ça va, t'as ton petit quart d'heure si tu veux pour participer avec eux. Ok, bah je les suis tranquillement. Alors, vous avez la première crête qui donne sur le... Qui est le côté, on va dire, qui donne sur la vue où vous aviez trouvé le monastère et aussi c'est le même côté où il y a la plaine aux animaux, on appelle ça comme ça. Bon, voilà, vous montrez les trucs, c'est rigolo, tout ça. Vous allez de l'autre côté. De l'autre côté de la crête, sur la crête sud. Et du coup, là, vous avez une très belle vue sur le clan du crabe. Et son territoire, oui, évidemment. Et c'est beaucoup plus sombre que la première fois que vous l'aviez vu. Ah. C'est-à-dire qu'il s'appelle par sombre. Ouais. Le Mordor, c'est sombre par rapport au Gondor. Ouais. Bah, ok. Eh ben là, ça ressemble au Mordor. Ah. Il y a c'est léger, hein. C'est pas encore à ce point-là, mais c'est léger. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nuage noir qui passe. Ouais, il y a pas mal de fumée. C'est les gobelins, pas encore les Uruk-hai. C'est passé. C'est à cause de l'hiver ou? Mia Osama, savez-vous pourquoi? Il y a... Comment dire? Alors, je continue sur la description avant de répondre pour le... Vas-y, vas-y. Vous êtes évidemment trop loin pour avoir des détails de qu'est-ce qui cloche. Ouais. Ouais, ça peut vous faire penser un peu à des récits de description de territoire en guerre, en fait. Ok. Voilà. Mais sur une échelle un peu trop grande quand même pour que ce soit tout le clan. Donc voilà, c'est un peu étrange. Ah, moi, du coup, tu poses la question au Mia. Ouais. Donc nous, ça nous dit rien en gros. Enfin, ouais, il est vrai qu'il vous dit, Mia, il est un peu surpris aussi au même titre que vous. Et il fait. C'est vrai que j'avais remarqué dans mes visites cette année que les gens étaient un peu plus. Comment dire, fermé à ma présence, et je pense, et je n'ai pas insisté, mais j'ai eu des fins de non-recevoir à certains moments. Je l'ai trouvé étrange, mais je ne sais pas. Ça semble plus. Enfin, j'ai l'habitude de régulièrement venir dans le clan du crabe chaque année et effectivement cette vision m'interroge beaucoup. Et concrètement nous tout ce qu'on voit enfin c'est juste le ciel obscurci ou c'est aussi des ça me paraît être des incendies des trucs comme ça Il y a des incendies des fumées qui se dégagent. Ok. Et qui chargent un peu on va dire tout ça. Après il y a aussi le fait que comme vous êtes en automne
Il n'y a pas le beau vert de la végétation. Oui. Donc, ça ressort beaucoup moins, donc ça fait beaucoup plus gris, beaucoup plus pâle quoi, comme ambiance. Donc voilà, c'est. Tout ça fait en sorte que. Alors, peut-être, effectivement, vous vous dites que la vision que vous avez est peut-être un peu plus. Comment dire, un peu plus horrible, entre guillemets, ou plus chargée de fantasmes que ce qu'elle n'est vraiment, en fait, la situation. Ouais. Mais voilà. C'est un peu comme si. Pour les deux qui sont allés en bas la semaine dernière. Ça vous fait un peu l'impression que bah, tout le territoire ressemble au village que vous avez retapé, entre guillemets. Ouais, donc nous... Avant que vous l'ayez retapé. Nous, on a quand même ce sentiment-là, alors. Ouais. Ouais. Donc il y a quand même une relation de cause à effet entre avec le potentiellement l'ONI qui se balade, quoi. Peut-être. Moi, je regarde Caillou et... Puis ouais... Après voir ça, je le regarde et voir s'il y a une réaction de sa part par rapport à cette vision. Bah je suis pensif et du coup, pour le coup, je vais plus interroger la Sepoun parce que c'est elle qui avait posé des questions. Sepoun Osama, avez-vous l'impression que l'ONI dont vous nous avez parlé avait beaucoup de rejetons? Oui, mais pas... Je crois pas que son objectif soit très réfléchi. J'ai l'impression qu'il est poussé par une certaine... envie, un besoin, mais qu'il n'est pas capable de le contrôler pour utiliser cette envie-là pour ensuite jeter son dévolu sur tout un clan ou tout un territoire, etc. Je pense qu'il essaie de répondre à un besoin ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que vos collègues, vos frères, au mur m'ont expliqué. J'ai réussi à leur faire. Mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est que peu de samouraïs étaient inquiets par cette situation. Dans les villes qui étaient fortement touchées par le rejeton de l'ONI, pour beaucoup, ils étaient déjà partis, quoi. Je suppose que cela vient du fait que le clan du crabe est habitué à combattre l'autre monde et qu'il sait faire face à ce type de situation. Et prendre les mesures adéquates pour l'éliminer. Ah, j'en suis certain. Maintenant, la question, c'est que a priori, ils ont trouvé plusieurs rejetons, mais personne n'a vraiment cherché à trouver le nid à l'origine. Ah. Et c'est peut-être là que le problème se situe. C'est que éliminer les rejetons, c'est déjà difficile, mais faisable. Relativement facilement faisable pour un clan entraîné, mais pour d'autres clans moins habitués à affronter ce genre d'être plus compliqué. Mais je n'ai pas eu l'impression que le clan du crabe ait beaucoup de volonté de me permettre à rechercher le nid principal. Et peut-être parce qu'il est hors de portée, je ne sais pas. Ils ont peut-être plus d'infos que ce que je n'ai, mais voilà. Ah, cette vue me désole. J'avais dans l'idée, Miyasama, de prendre un thé avec vous en admirant les terres de notre clan, mais les voir dans cet état m'ont fait changer d'avis. Ouais, ça vous fout un coup de blues quand même. Hein. Ouais, un peu quand même. Ouais. Et puis ça, parce qu'il est en train de parler de notre clan, genre, ouais, ouais, il trafique des trucs, tout ça, donc c'est pour ça que je change de conversation, en fait, j'essaie de... Ouais. Mais enfin, lui aussi, hein, il constate, enfin, les deux constatent que il a eu des réactions un peu
un peu différente que d'habitude, parce qu'il a des amis hein, dans le clan du crabe, hein, parce qu'il vient souvent, donc voilà, alors il va pas vous donner les noms, évidemment, mais voilà, il a de bonnes connaissances, de bons amis et tout, et voilà, et du coup, ça l'a un peu surpris, quoi. Voilà, il a eu ouais, quelques portes fermées, quoi. Rien de répréhensible, mais un peu surprenant, quoi. Voilà. On finit là-dessus pour ce soir. Ok. Ouais. Mmh. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah ouais. Oui. J'ai pas perdu de point d'honneur. Je suis encore. T'as pas de fâchette de nouveau, Camille. Tout va bien. Je suis encore vivant. Il y a pas eu de tremblement de terre, des cailloux qui tombent sans ma tronche, donc ça va. Je suis bien. C'est ça. Ah mais vous avez payé les impôts. Voilà. Moi je me suis dit, allez, ils vont peut-être se poser la question de le buter. Non. Bah, quoique, avec mes 1,7 d'honneur. Ok, alors je vais arrêter l'enregistrement. Tac, où est-ce que j'en suis? Là, voilà. Ok, bah merci à vous, gros bisous, tout ça, bonne fête. Et puis, est-ce que nous on se revoit l'année prochaine, je suppose, oui. Bah oui. Bah du coup, ouais. Oui. Et sinon, du coup, à la semaine prochaine pour ceux qui écoutent et regardent. La table clan mineur. Voilà. Gros bisous sur la fesse droite.